Possédez-vous une résidence dans une zone forestière ou propice aux feux de friche? Si oui, cette courte vidéo saura vous intéresser. Tous les ans, de nombreuses résidences nord-américaines sont détruites par un feu de forêt ou de broussailles. Or, au cours des dernières années, des États américains et des provinces canadiennes ont sauvé bon nombre d'édifices grâce à un système éprouvé d'arrosage aérien qui peut être alimenté à partir d'un lac ou de toute autre source d'eau attenante. Leader mondial en fabrication novatrice de boyaux d'incendie, de pompes à incendie ainsi que d'accessoires de lignes de boyaux, Mercedes Textile Limité offre désormais aux propriétaires d'une résidence forestière une solution clé en main baptisée « Trousse de protection de résidence forestière ». Cette vidéo illustre le système, de même que l'importance de contrer la perte de pression et d'autres phénomènes lorsqu'on tente de protéger ses biens contre un feu de forêt, d'herbe ou de broussailles. Commençons par une pompe de magasin typique annoncée comme une pompe à haute pression. Comme nous le verrons, celle-ci ne fait pas le poids comparée à l'ultra-légère pompe à incendie professionnelle de Mercedes Textile. Divers critères seront comparés pour montrer combien une forte pression et un réservoir de carburant à distance sont cruciaux lorsqu'il faut évacuer sa demeure en raison d'une situation critique. Comme nous le voyons ici, sans une pression suffisante pour contrer la gravité et la perte de charge, il peut être impossible d'alimenter des gicleurs et de jouir d'une protection efficace. Voyons maintenant une pompe ultra-légère à haute pression de Mercedes Textile. Les pompes ultra-légères de Mercedes Textile ont d'abord été conçues pour des professionnels appelés à sauter d'un hélicoptère pour combattre un feu de forêt. Toutefois, ces pompes ultra-légères à haute pression sont idéales pour le propriétaire d'une résidence forestière étant donné leur facilité d'utilisation et de transport vers une source d'eau. En outre, leur raccord de réservoir de carburant à distance est essentiel pour assurer une protection continue en cas d'évacuation. La fonction à distance est particulièrement utile lorsque la pompe et les gicleurs sont en marche et que le propriétaire doit quitter en raison de l'approche d'un feu de brousse ou de forêt. Un réservoir à carburant de 20 litres, tel que celui-ci, assurera le fonctionnement de la pompe et des gicleurs pendant 24 heures. Nous avons vu l'impact de la gravité sur la pression livrée, soit près d'un demi-pouce de pression pour chaque pied d'élévation, ou 23 kPa pour chaque mètre d'élévation. Ainsi, lorsque l'eau est pompée à plus de 40 pieds ou 12 mètres pour rejoindre des gicleurs, une pompe de 70 ou 80 PSI est nécessaire pour obtenir un volume acceptable et une protection efficace. Pour en savoir davantage sur les trousses de protection de résidence forestière, visitez le site www.mercedestextile.com et cliquez sur l'icône au bas de la page. Mercedes Textile compte un réseau international de distribution. Pour trouver le distributeur le plus proche, cliquez sur « Communiquer avec nous » à gauche du menu principal pour être mis en contact avec un concessionnaire ou un représentant qualifié. Thank you.